Bonjour et bienvenue, on est reparti, nouvel épisode de la survie du week-end. Donc j'ai rien à vous montrer, car honnêtement, il n'y avait rien vraiment, rien d'intéressant à enregistrer. Je suis resté dans la zone, j'ai fait des flèches, j'ai fait des fûts de flèches. Beaucoup de fûts de flèches. Donc on en a 63 en tout. J'ai bien regardé, donc c'est plus léger de les faire directement, vous gagnez 0,05 en poids. Par bois en fait, si vous les transformez en directement en 3 fûts de flèche, parce que c'est 0,05 et le bois c'est 0,15, 0,20, 0,20, 0,20. Donc voilà, vous gagnez un peu. Donc on a fait ça, j'ai fait un deuxième arc, j'ai réparé quelques vêtements. Genre tout ce qui est en lapin j'ai réparé mes bottes, il me reste plus que le pantalon à réparer honnêtement. On a la peau de l'ours sur nous. J'ai fait tous les choses à préparer aussi, toutes les choses. Donc j'ai pris ça sur moi, les conserves, parce que je voudrais m'en servir. En fait, alors, je vais un peu expliquer ce que je voudrais faire. Donc nous on est... Ah tiens, un truc qu'on pourrait faire, attendez. C'est vrai que ça fait une marque sur le... Ça fait une marque sur la map. Parce qu'il y a des endroits, genre comme des maisons là, qui sont pas écrites en fait. On pourrait faire ça. Comment on fait déjà? Je me rappelle plus. Comment on fait? Non, on peut... Faire ça, vêtements, direction... Allumage de feu, nourriture et boisson, stockage. Voilà. Bon, ça. Ah, c'est con, ça a marqué du coup la boîte en fait qui était ici. Bon, ça va, c'est bien. Stockage, bah du coup c'est oui, c'est dans une boîte, c'est sympa, c'est marrant, c'est pas voulu. Donc nous on veut aller là. Ça c'est une autre grotte, je crois que la sortie elle est par là-bas. Il y a deux sorties en fait dans cette zone. Une sortie là. Nous on est arrivé par là, on a fait tout ça, tout le chemin, après on est redescendu, après on est remonté, on a fait la mine. Enfin on a fait comme ça, parce que la mine on a dû la faire à l'envers. Enfin à l'endroit pour la mine mais à l'envers pour nous. Et après on est passé par là et on se retrouve du coup ici. Voilà. Alors ce que je veux faire, c'est aller là. Aller à la cabane. Et je veux tout descendre en fait à la cabane. Pourquoi? Parce que du coup c'est sur le plat. En fait c'est le plateau le plus bas là. Et c'est le plateau où il y a la sortie. Donc si vous faites comme ça, en fait, quand vous faites cette ligne là, vous pouvez sortir. Donc voilà, je voudrais récupérer tout le matos qu'on a en haut et le descendre. Donc ça c'est simple. Mais le problème c'est qu'on a beaucoup de matos. Ça on va le déposer. On a beaucoup de matos, donc déjà je vais laisser le jerrycan et tout. J'ai lu le livre de dépeçage, donc on est collecte de carcasses, on est au niveau 5, donc délai de collecte moins 50%. On peut collecter 100% des carcasses gelées à la main et délai de collecte des pots et boyaux de 30 pour... moins 30%. Donc ça c'est bien. Je sais pas par contre si on peut découper une carcasse à 100% maintenant avec ça. Je sais pas si ça compte en fait en tant que travailler sur la carcasse. Enfin bref, on s'en fout, on verra ça plus tard. Après, j'ai un peu réparé toutes mes armes et tout ça, mes couteaux et tout. Donc j'ai pris le maximum en fait sur moi. On est à 49,10. La chose, c'est que j'ai de la viande et tout ça. Ça, on peut le déposer et on peut déposer aussi l'eau. C'est pas vraiment un problème. Et du coup, on pourra prendre la corde parce qu'il y a deux cordes à prendre. C'est ça le problème, c'est qu'il y a deux cordes à prendre. La première corde, elle va tout le temps y être. Après, il y aura une maison, en fait, le chemin que je veux prendre. Et après, il y aura une deuxième corde à poser. Et cette corde qu'on va poser, en fait, va nous permettre d'aller au plateau au-dessus. Parce que je crois que c'est par là, je crois. Et ça nous permet d'aller au plateau au-dessus. C'est vraiment très facile. Parce que si vous voulez aller au plateau au-dessus, en fait, il faut passer par tout le côté gauche, je crois. Et vous n'avez aucun autre moyen. Interrogation, je pense. Mais si vous avez la corde au début, si vous avez arrivé à poser cette corde, du coup, ça vous fait un super raccourci de fou. Surtout que ça vous permet d'aller vraiment au plus haut possible. Donc, c'est ce que je veux faire.
Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai fait mon explication. Voilà. Voilà, c'est fini. Au revoir. Ouais, donc on a le sac de couchage, on a tout. On a le livre, parce que je veux le garder, parce que ça, c'est un livre à niveau avancé. Donc c'est 25 heures, donc ça peut être utile. On est bon. Allez, on va. Parce que je vais être honnête, cette zone, c'est pas une zone sur laquelle on va rester. Alors après, si vous voulez faire très facile, genre sans poser les cordes et tout ça. Alors vous voyez où je pointe là, vous allez là. Et là en fait, il y a une descente. Attends, on monte. Je veux pas me péter une jambe parce que ce serait con. Il y a une descente en fait. Attendez, si je peux la monter. Suivez le point. Il y a une descente là à peu près qui fait comme ça en fait. Tac, 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 tac. Jusqu'en bas. Donc si vous voulez vraiment tout simplement aller à la maison dans laquelle on va aller, hein, où il y a la cache, vous faites simplement ça. Alors après, moi je l'ai jamais fait personnellement, donc je sais pas si c'est dangereux ou pas. Je c'est pas trop pentu, donc honnêtement, ça devrait aller. Vous mettez accroupi au pire. Mais vous pouvez directement descendre. Mais du coup, vous n'allez pas pouvoir remonter. C'est ça le truc. Donc moi, je voudrais quand même installer la corde avant qu'on parte. Si jamais on doit revenir ici. Et c'est un truc absolument que je voudrais faire. Par en bas, par en bas, par en bas. J'évite les cordes. Vous avez vu, des fois, ça me fait monter en fait. J'ai été bloqué parce que les cordes bougent un peu trop. Ça, c'est un peu dangereux. Ok, on est bon. On va pas courir parce que sinon on va se fatiguer. Alors après, quand on va descendre la première corde, on a une maison. Je suis allé jusque là, j'ai aussi encore coupé des bois. Je vais vous dire jusqu'où je suis allé. Je suis pas allé très loin, honnêtement. Mais ouais, y a une maison, donc on peut se mettre là. Mais il faut absolument qu'on trouve d'abord la corde, la deuxième corde, sinon ça sert strictement à rien. En théorie, la deuxième corde devrait se trouver dans la maison. La plupart du temps, elle se trouve dans la maison. Ou alors, on peut trouver une autre corde sur le chemin, je crois aussi. Je suis pas complètement sûr. Alors là, il y a une grotte sur notre gauche. Ah, tiens. J'avais pas vu ce sac. Pas du tout. Elle est un peu plus loin, la grotte. Ou alors, je l'ai passé, parce que j'étais en train de parler, j'ai pas fait attention. Non, elle est là, elle est là. Ouais, il y a une grotte ici. Vous pouvez vous reposer. Je suis descendu un peu plus loin vers la forêt. On pourrait se reposer une heure parce qu'en fait, je la trouve un peu fatiguée. Honnêtement. Je dirais pas non pour dormir juste une petite heure. Genre juste être bon, quoi. Ok, très bien. Parce que ça nous réchauffe. Et surtout... surtout, ça nous remet un peu d'aplomb. Parce qu'on a plusieurs cordes à prendre. Donc, j'ai pas envie. Alors, honnêtement, ce qui va se passer... Je vais vous montrer le plus possible... Mais après, si on doit faire des allers-retours, je couperai peut-être. Parce que là, je crois que, en théorie, dans ma tête, si j'ai bon, on va pas pouvoir faire tout en même temps. Si la corde, elle est au-dessus... Ah, là, il y a de la viande sur pattes. Si la corde, elle est en hauteur, elle est avant la première corde, ça veut dire qu'on va devoir faire un aller-retour. Voilà, je me suis arrêté là, en fait, ici. Vous voyez, j'ai coupé le bois. On va devoir faire un aller-retour, tout simplement, parce qu'on va avoir trop de kilos. La corde fait 5 kilos, hein, rien que la corde seule. Donc, ça va être la merde. Donc, honnêtement, je couperai, parce que ça risque de prendre un petit moment. Parce qu'il va falloir se reposer et tout. Donc, on verra. Il y a sûrement encore plein de trucs à récupérer ici. Alors, je sais plus si c'est de ce côté-là ou pas... On va se balader un peu.
ça, pas besoin. Alors je sais qu'il y a une un pont. Mais nous c'est pas le pont. Faut pas prendre le pont. Il y a la pont ici. Nous c'est le côté. Oui, je crois que j'ai. Je crois que j'ai bon. Je crois que le pont il est là-bas. Et nous on veut aller là. Oui, c'est ça. C'est en bordure. Oui, 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 c'est en bordure. C'est en bordure de la grande forêt. Oui, je suis quasiment certain que c'est. Oh putain, il y a encore des trucs là. On va les prendre, mais je vais devoir les déposer. Ah là là, si vous voulez des flèches, vous venez ici. Hein. Oh mon dieu. Très bien. Ouais, si vous voulez des flèches, vous venez ici. Quand même beaucoup de bois partout. Donc vous voyez là, c'est vers la sortie en fait de la zone. C'est où c'est qu'il y a la grande forêt là, vous voyez. Il y a plein d'arbres et tout ça, brûlés et tout. C'est où on est venu en fait, par où on est passé. Au tout début, je parle. Tout début qu'on est arrivé à la zone. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder différents endroits quand vous voyez des pentes ici. Parce que la plupart du temps, enfin on va dire à beaucoup d'endroits, vous pouvez tout simplement descendre le long d'une pente pour arriver au plateau en dessous en fait. Des fois ça peut être dangereux, donc faites attention donc, aussi, hein, parce que vous pouvez complètement vous bloquer en fait sur une pente et du coup après vous êtes un peu bloqué. Vous pouvez en mourir, hein, c'est dangereux. Mais voilà, elle est là, la corde. Mais le mieux quand même, c'est de faire ce que je vais faire là. Surtout si vous voulez revenir plus tard à la zone. Donc ouais. Voilà, et là on va avoir la maison en dessous. Et la maison, il y a une corde. Et là on va l'installer, la corde. Ah, encore heureux qu'on a 45 kilos. Par contre, j'étais en train de me dire par rapport au corps, parce que là, en fait, on climb tout le temps, en fait. On fait de la... On passe notre temps à... Ah, tiens, ouais, non, j'ai pas. On passe notre temps à prendre des cordes. Je me suis dit... Qu'est-ce qui va se passer avec le machin qu'on trimballe quand ça sortira? Est-ce qu'on pourra le prendre sur la corde? Ça m'étonnerait. Cool. 45,89. Donc ça c'est les... Alors, on va faire ça. Ouais. 44,99. Alors là, si... Ouais, vous voyez, la maison elle est là. On peut pas faire mieux. Hein. Bon, faut pas prendre ça. On s'en fout. On peut pas faire mieux. Hein. 44,99, je l'ai jamais fait. Hein. Par contre, maintenant on a plus d'eau et plus de viande. La nourriture, c'est pas grave, on a de la nourriture encore sur nous. Mais on a plus d'eau du tout. Ok. Et là, il y a la maison donc là, et je crois que là on peut descendre. Je suis déjà descendu là. Le long de la pente. Voilà, c'est des petites cordes comme ça, c'est à chaque fois ça, en fait. L'autre aussi, je crois que c'est pareil, voire peut-être plus court, peut-être. Par contre, faire gaffe, en bas, il y a des loups et tout ça. Donc, très bien, on va rentrer. Oui, on va rentrer. Comme ça, on se réchauffe un peu. Alors, très bien, ça c'est quoi? Pantalon. On va tout prendre pour le moment. On fera le tri après, comme d'habitude. On va faire ça. Très bien. Hop. Caisse. Ouh, la vache.
Ah, je les ai laissés. Non, les allumettes, je les ai pris sur moi. Pardon ? Alors, attendez. Je suis en train de me demander si on a une corde ici. Je l'aurais vu. Qu'est-ce que je cherche ? La lampe. J'aurais pu aller par le... Par le menu... Ah, elle est là, la corde. Ok, c'est bon, je l'ai vu. Oh, encore des allumettes. Nickel. Du bois, pourquoi pas. Ah, l'étagère qui passe à dans le décor. Winterland, là. Ça ne va pas faire des choses jolies. Si vous entendez un clic à chaque fois, c'est le bouton pour se baisser et tout. Il est assez fort sur cette nouvelle souris, je suis désolé. Je suis un peu désolé. Ouais, cette corde-là, elle y est toujours, je crois. Pourquoi elle y est toujours? Parce que, en fait, pour sortir, enfin, pour descendre, il n'y a que la corde. À moins que vous faites le fou et vous passez la pente. Mais en, pour eux, il n'y a que la corde, quoi. Donc, du coup, vous êtes obligé d'avoir une corde ici. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, du coup, on est, on n'est pas si mal. On va installer la corde, déjà. Mais on n'est pas si mal. On n'a peut-être pas besoin de faire aller-retour, en fait. Parce que dans ma tête, j'avais peur que la corde, en fait, soit avant la première corde à descendre. Enfin, non. On va, je vais refaire ça pour mieux expliquer. La corde qu'on trouve, je pensais qu'elle était avant la corde pour descendre. Donc là, ça aurait été un problème. Il n'y a rien. Là, ça aurait été vraiment un problème. Mais au final, non. On l'a maintenant. Donc en fait, on n'a pas besoin de faire un aller-retour. Il est super beau en plus. Ouais, on n'a pas besoin de faire un aller-retour. Voilà. Là, on a, là, on installe la corde la plus intéressante de canyon, du canyon descendre. Je vais être honnête, c'est la corde la plus intéressante. Très bien. Vous voyez là-bas, là, on peut s'installer. On voit tout, on voit beaucoup de choses ici. C'est vachement cool. Alors, du coup, j'ai pas besoin... On peut descendre là, je crois, aussi. Alors, si je dis pas de conneries, du coup, j'ai pas besoin de prendre la corde, là. Donc, on n'a pas besoin de se mettre en dessous des 45 kilos. Après, si je veux faire le fou, je mets du bordel ici. Je remonte la corde, je prends l'eau, je prends la viande et les torches. Et on redescend. On peut peut-être faire ça, à la limite. C'est quoi, ça? Protection légère. J'hésite maintenant. Pantalon de combat. Pantalon, c'est pas le pantalon de combat. Si, c'est ça. C'est le pantalon de combat qui est intéressant. Du coup, j'aimerais bien le garder. Et qu'on le mette à un endroit, en fait. Parce que le pantalon de combat peut être intéressant à garder. Et on le met dans un endroit accessible. Vous voyez ce que je veux dire? On est quoi, 48 kilos? Je pourrais remonter et aller prendre la viande et tout. Et après on dort ici, peut-être. Qu'est-ce que je fais? On fait ça? Ouais, on peut faire ça. Bon, attendez. Deux cordes de bas, prendre d'affilée, quoi, c'est ouf. Ça fait beaucoup. Attendez, ça, on va le garder sur nous, parce que si jamais je perds trop d'endurance... Non, ça, il faut pas les poser. Wow, doucement. Ouais,
Parce que quand on met en poids, les choses bougent en fait. C'est très très chiant ça. C'est très bon chiant. On va se reposer une heure juste pour qu'on se rebooste un peu. Ok, très bien. On est à 30 kilos, on a 15 kilos de... Ok, ça va. Attendez, est-ce que t'en fous mieux ? Je vais faire ça aussi. Ok. Parce que là, je voudrais faire aller-retour en une fois. Donc, elle va se sentir fatiguée. On va pas pouvoir prendre tout. J'ai gardé le sac de couchage sur moi pour une seule raison. Si jamais, en fait, elle devient trop fatiguée en montant. Mais en théorie, on devrait être bon. Là, je joue un peu avec le feu, mais ça devrait aller. C'est quand même grand. Ça a l'air moins haut quand on descend. Là, c'est vraiment... Ouais, putain, on va être un peu juste en fait. On va être un peu juste... Un peu juste. Quatre, on peut encore en profiter. Je vais être honnête, bah c'est con, on pourra plus dessiner, parce que je voulais dessiner aussi. Ah non, on peut. Bon, bah ça va alors. Mais je vais être honnête, je pensais pas qu'elle allait se fatiguer aussi vite. Je comprends pas pourquoi en fait elle se fatigue aussi vite. J'ai bien mes crampons en plus, oui, avec le bruit. En fait, c'est surtout les torches, hein, bien sûr, évidemment, qui m'intéressent. Elle était loin, la grotte. Elle était loin, la grotte, ou pas? Elle était pas très loin. On va aller se reposer. Parce que je peux pas me reposer vraiment. J'ai pris le sac de couchage. On va pas. Oh non, il y a une tempête. Ouais. On va aller s'abriter dans la grotte. On va dormir quelques heures. Ouais, j'ai pas d'arc. Mais attendez, on était vachement loin de la grotte.
Oh là là, catastrophe. Enfin, vachement loin, oui, quelques minutes. The god here, freezing. Ouais, je sais. Ouais, non, c'est pas. Faut tourner là, je crois. Oui, le feu. C'est le feu, ça donne la direction. Donc c'est tout droit. Après, il y avait des lapins. Ah, ça fait bizarre de pas avoir d'armes sur soi. Toujours l'habitude de sortir l'arme. Sortir l'arc. Vous voyez, ça, c'est des choses qui peuvent être extrêmement dangereuses. Il faut connaître la zone et tout. Faut garder aussi sur soi le plus important. Là, on a une très bonne réserve de calories. Et puis, encore une fois, j'ai toute la nourriture disponible au cas où. Alors, elle est où exactement la grotte ? Parce que chaque fois, je la loupe en fait. Bon, après. Mais. Ouais, non, elle est un peu après. Elle est dans les petits sortes de couloirs. Attends, je l'ai passé ou pas? Non. Non. Non, 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 elle est juste après ça. Oui, non, voilà, comme je disais, je suis en train de... Je panique pas, mais je me méfie de ne pas faire de conneries. Parce qu'on risque notre vie, là, quand même. On est extrêmement fatigué. Oui, voilà, voilà. On est extrêmement fatigué, on n'a pas d'armes. On est limité en eau. On a des calories, mais on est limité en eau. Ça va, ça va, ça va. Très bien. Il fait pas très chaud. Et là, on a un blizzard, les gars. En ce moment, donc c'est dangereux. Oh la vache! Ça c'est 300 pour 0,25. Ça on va le manger direct. C'est trop bas. Ouverture, j'ai encore des outils sur moi. Ah oui, je vais me garder mon couteau. On a gagné plein de choses. 500 pour 0,30, c'est très bien. Très bien, très bien. Ouais, on a ouais, on a du bon là. On va dormir. On va se reposer. On peut descendre pendant la nuit à la limite. Je voudrais finir ma nuit dans la maison en fait. Enfin, je dis ça, je vais être honnête, c'est finir la nuit avec mes objets, avec mon équipement. C'est ça qui m'intéresse. Elle est pas complètement remise. Je peux dormir encore un tout petit peu. Pas de peau pour le temps. Ok, elle est nickel. Ramasse. On y va. Vous voyez, c'est différent aussi de se balader extrêmement léger. C'est intéressant aussi. On va avoir froid, on va avoir boréal. Il n'y en a pas beaucoup ici des aurores boréales, vous remarquez. Je crois que c'est la première qu'on a. On va avoir froid, mais c'est pas grave. Pas avoir froid longtemps. Mais au moins, on voit quelque chose. On va essayer de se mettre contre les parois pour se bloquer le vent. Le plus possible. Mais je suis très content d'avoir mis cette corde. Et ça s'est bien goupillé au final. Bon, on a fait quand même un aller-retour, mais ça va. Ça va. Je pensais que ça allait être pire.
pensais vraiment que ça allait être un problème, mais... Mais ouais, quand on aura le chose à tirer, là... Désolé, je regarderai le... C'est à chaque fois j'oublie le nom, en fait. C'est pas un truc que j'emploie tous les jours, hein, évidemment. Mais voilà, je regarderai le nom. Mais quand on pourra faire ça, est-ce que du coup on pourra le prendre avec des cordes et tout? Enfin, j'imagine que non, hein, j'imagine qu'on sera bloqué en bas avec ça. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu emmerdant. Embêtant, même. Je me dis, est-ce que ça va vraiment nous être utile? Après, ça va sûrement dépendre de la région. Genre ici, par exemple, il y a beaucoup de cordes. Il n'y aura pas vraiment de but, en fait, d'avoir ça. Ce ne sera pas vraiment très, très utile. Donc, ouais, parce que faire des allers-retours, en fait, sur les cordes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de faire des allers-retours. Vous avez vu que là, on était ultra léger, mais à la galérer de fou, hein, pour monter. Hein. Si à la limite, il y avait un moyen, genre des objets supplémentaires, je sais pas, genre des gants exprès pour monter les cordes, genre quelque chose de encore plus que les crampons, vous voyez. Je suis en train de me demander si les crampons, ils fonctionnent bien, en fait. Voilà. Je pense, hein, mais... J'ai un doute des fois, parce que j'ai l'impression que les autres, ils étaient mieux. J'ai pas envie de mettre. On est bon. On est bon. Vous voyez, s'il y avait un système où elle deviendrait de plus en plus forte, genre elle se muscle un peu, genre qu'il y a un niveau aussi, comme j'avais expliqué, un peu comme Tarkov, hein, comme encore une fois, ça serait vachement intéressant en fait. On pourrait même s'entraîner, on passe des jours à monter et descendre des cordes, bon, on fait que ça, ça va consommer énormément de ressources, hein, entre le manger, boire et tout ça en général. Donc c'est pas comme si on exploitait le jeu ou quoi que ce soit, hein, c'est juste qu'on s'entraîne. Attendez. Regardez là, est-ce que là on peut descendre? C'est un peu pentu, je crois que je descendais à côté de la maison, mon perso. Mais vous voyez, ce sont des choses qu'on pourrait faire et ça serait vachement intéressant au niveau survie. Le jeu auquel je me rappelle qu'il y avait ça, genre des vieux jeux, il y avait... Metal Gear Solid 2, si vous en rappelez. Genre, il y avait Snake et Raiden, ils pouvaient faire pareil. Vous mettez accroché en fait à une corniche. Et vous pouviez en fait, en faisant, je crois que c'était... C'est quoi ça? Il n'y a pas d'électricité. Ah si, il y a la lampe. Vous faisiez L1, R1 ou R2, L2. Et en fait, il se hissait pour que vous puissiez voir genre à la première personne et tout, et attraper les gens, un petit peu comme ça. Et je sais que si vous hissiez en fait plusieurs fois d'affilée, en fait, c'est comme si vous entraîniez, vous faisiez des muscles, quoi. Et il y avait trois niveaux, et c'était méga loin, c'était trois niveaux, mais ça servait à rien au final, hein, honnêtement. C'était pas vraiment très, très utile de faire ça, mais vous pouviez le faire. C'est drôle. C'est vieux, ça. Je me demande à quoi ça servait vraiment. À rien. Enfin, on pouvait se maintenir en fait plus longtemps sur les cordes, mais bon. Après, c'est pas comme si on allait faire un pique-nique accroché à une corniche. Mais ouais, il y avait ça, je me rappelle. Je prends le tissu parce que j'en profite. C'est comme j'ai dit, on va pas prendre la corde. On va essayer de descendre en surf. Vous voyez, il y a plein de questions par rapport au traîneau là, au machin. J'ai
plein de plus en plus de questions et surtout que ça va pas arriver encore la prochaine mise à jour. J'ai vraiment peur qu'ils fassent les choses mal en fait. J'ai vraiment peur que ça serve à rien. J'ai vraiment peur que ça marche pas. Et qu'au final on en a rien à cirer du machin, que ça soit pas utile pour nous. On est à 50 kilos. On peut toujours sprinter, hein. Ouais, on peut toujours sprinter. Sprint. Je crois que le sprint il se coupe à, quand on est à 10 kg de plus que du maximum. Mais ouais, j'ai vraiment peur que ça soit très mal pensé de la part de Interland, parce qu'ils font des choses, des fois ils pensent pas vraiment, honnêtement. Ben voilà, ça arrive. Donc j'ai vraiment peur que ça soit pas utile. Alors, dans l'optique, j'ai envie de tout prendre, comme ça on n'a pas besoin de revenir à la maison. Enfin, à cette maison. Donc 50 kilos, plein d'allumettes, ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Attendez, on est à combien de calories? Là, on est un peu bas. 600, 500. On va prendre ça. J'aurais dû ne pas boire autant en fait. Ah non, mais c'est de la nourriture pour chien, ça donne pas soif. Ah si, un peu. Urk, dégueulasse. Celle-là, on les garde parce que celle-là, c'est 25 pour 600, c'est très bien. Honnêtement, faut pas penser à ce qu'elle est en train de bouffer. Nourriture pour chien. Ça pue, c'est horrible. Les nourritures pour chien ou pour chat, là, la pâtée, là, c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi ça attire les chats et les chiens, mais pas les humains. Enfin, après, je suis sûr qu'il y en a qui doivent aimer, hein, mais... Ces odeurs, c'est vraiment des odeurs bien spéciales. Je suis en train de réfléchir, en fait, si j'en mange encore une autre ou pas. Non, ça va, ça va, ça va. Non. Je voudrais garder le plus possible en fait ce genre de nourriture. Alors, hop. Ok, parfait. Perfecto. Pas trop boire. Et on est à 5 ans. Et nickel. On a le retour de notre arc. Par contre, c'est lequel arc elle équipe? Normalement... Ah merde, elle équipe... Ah, ça c'est chiant ça. Je vais voir si je... Mince. Elle équipe vraiment celui qui est en bon état? En premier? Et si je fais ça, hop, je peux le changer. Si je fais ça, j'ai pas d'autres armes dans l'inventaire. Bah si, si, mais j'ai pas d'autres types d'armes en fait. Je suis d'accord. Mais... Bref. Ouais, c'est parti. Ah, c'est pas facile. Hein. Non, on va peut-être se fouler une cheville ou deux. Ou trois. Oui. Comment il fait pour se fouler trois chevilles? Hé hey hé. Oh. Ça va. Ouh, j'ai eu un peu. De toute façon, on pue pas la barbe. Non, on sent pas la barbe. Okay, faire attention s'il n'y a pas des choses. Voilà, ça va. Marée amère.
Et oh. Merci. Oh, message, putain, je l'ai quasiment pas vu. Pour escalader, il faut commencer en bas. Il n'y a pas de meilleur endroit que la route qui mène à la gueule de l'huile. J'allais dire à la gueule du. Désolé. On peut se protéger du vent un peu, mais on va pas rester longtemps, c'est pas grave. La gueule du. Je crois que c'est les cordes qu'on prend. Oui, oui. Oui, 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 c'est les cordes qu'on prend. Donc il n'y a pas de problème. On était bon. C'est les cordes qu'on a prises. Plutôt. Ça m'embête un peu d'être en surcharge. On a beaucoup de balles, quand même. À la limite ce... Alors vous longez le côté droit là, la paroi en fait d'où on vient, la maison elle est là. Et vous allez pouvoir passer un endroit, ça monte. Faire attention parce qu'il y a des loups hein, dans le périmètre. C'est pour ça que je vais mettre des blancs pour écouter. Parce que les loups maintenant sont un peu vénères. Hein. Ils sont on est plus de loin. Ouais, avec le nombre de bois et de carburant qu'on a. On aurait pu faire un feu et se réchauffer, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh la vache, il y en a deux. Ils ont tendance à migrer ceux-là, je crois. Parce que la plupart du temps ils sont là. C'est parce que je vais pouvoir passer en fait. On a l'air ok. Ok, il vient pas vers moi, très bien. Tour. Nickel. Ok. Bien, 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 bien. Là, on a un pont. Là, si jamais vous avez une bombe, vous pouvez faire péter le mur et faire un trou. Évidemment, je déconne. C'était une blague à la Zelda, hein, pour ceux qui ont compris, hein, au cas où, je précise. Les murs fissurés, vous savez. Hein. Lol, on rigole. On rigole, hein, on est en train de geler, on a des loups derrière et tout. C'est bien rigolo. Rigoler. Oh merde, non, non. Alors, je crois qu'on a une grotte. Nickel. Pas nickel. Faire un feu.
encore une fois, on se rappelle, le feu, c'est... Enfin, se réchauffer là, c'est pas vraiment pour passer un moment, c'est surtout pour pas trembler. C'est surtout ça. C'est surtout pour pas trembler. Parce qu'on a des... On a un loup, pas mal. Charbon comme ça il sera chaud. Le vent s'est calmé. Hourré. On va dormir une petite heure. On est protégé du loup de toute façon. Le feu et tout ça. Je crois que je vais manger ça par contre. Celles-là, je vais les garder parce qu'on peut les réchauffer et tout. Par contre, ça, je crois que je vais le manger. Parce qu'on va, de toute façon, on va avoir un problème de... On va avoir un problème de calories. Avant qu'on puisse s'installer et commencer à chasser. Ok, très bien. Un truc que je voudrais faire... Ah, on a peut-être pas assez de... Oh là là. Parce que attendez, si je dis pas de bêtises... Ouais, il nous en faut un chat. Ça marche. Ça. On a assez d'eau pour un deuxième. Oui. Ok. Nickel. Nickel, nickel. Il faut voir c'est lesquels qu'on a le plus. Reishi. Reishi, Reishi. Est-ce qu'on peut... On n'a pas assez d'eau, ça marche. Manger ça là aussi, allez, tant qu'on y est. Comme ça on enlève les nourritures qui sont pas les meilleures en fait déjà. Ouais, très bien, 6 minutes, on va prendre ça, on prend des torches. Après on peut lui faire peur au feu je crois, je suis pas sûr. Je crois que ça va plutôt nous foutre dans la merde de faire le feu. Je crois que le mieux c'est de le combattre honnêtement. Surtout s'ils sont plusieurs. Ok, il a eu peur. On va en profiter. Ah, ils ont eu peur des vêtements surtout. Hein. Oh là, il y a des biches. Ouais, ils ont surtout eu peur des vêtements. C'est pas que... C'est pas le feu qui a fait ça. Bon ben voilà. Alors j'avoue que le fait d'avoir utilisé une allumette juste pour ça, c'est pas le... pas la meilleure des choses. Mais bon. C'est la sécurité quand même. Genre comme ça on tremble pas si jamais on doit sortir l'arc. On a des torches, on n'est pas en froid, donc on n'est pas, on n'a pas besoin de stresser pour se mettre genre à l'abri.
Ouais, donc là, les deux là sont vraiment proches des louches. Je suis un peu étonné. On peut peut-être je peux peut-être les... je le ferai sûrement. Quand je passerai un moment. Je les balancerai sur les loups et après je tuerai les loups. Ça sera mieux. On est arrivé. On est arrivé. Donc ici, ils avaient parlé... Ah, là, c'est là. Ouvrir le coffre. Débloquer la porte, oui, bien sûr. T'es sérieux? Gros foutage de gueule, le mec, sur la lettre. Oh, oh là là, oh, j'ai envie de lui laisser un mot. Je veux dire, mais va te faire... Le mec, il nous a laissé un poisson, quoi. Non, mais n'importe quoi. Bon, je ferai le bois plus tard. N'importe quoi. Fait combien son poisson de merde? Fait 1.8. 451. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Je sais pas quoi dire. Ouh, une pointe de flèche. Deux. Ouh, ça c'est bien ça. Ah, ça c'est bien, ça va nous réparer notre... Comment ça s'appelle? Attends, 2 et 3. Hop. Ça va nous réparer notre scie. C'est bien ça. Eh, deux pointes de flèche. Bon, ça je suis d'accord. Ça je suis... D'accord, c'est bien ça. Alors, on a un fait... Oui, on a deux fait. Ça c'est bien. Alors, j'ai de plus en plus de mal à trouver des excuses pour ne rien dire. Ces mineurs ne me respectent peut-être pas, mais s'ils continuent de creuser comme ça, c'est trop profond, bien trop profond. On trouve énormément de nourriture. Je vais être honnête, je pense qu'on trouve quand même beaucoup plus d'objets qu'avant. Et je pense que c'est lié au problème quand le mode est sorti. Enfin, quand le... Je vais y arriver à trouver mes mots. Quand le DLC est sorti. On trouve énormément d'objets. J'ai trop de choses. Par rapport aux zones qu'on a faites, honnêtement, je pense que j'ai trop d'objets. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a deux faitos, ça va être cool pour faire... Alors, on peut se reposer. Ça sera ici notre camp pendant un petit moment. Donc on va refaire pareil. Je crois que je vais faire encore une petite coupure ici. Histoire d'aller chasser tout ça, parce qu'honnêtement, ça va pas être très très intéressant. Je voudrais chasser les deux biches qui sont là-bas pour les pots. Je voudrais chasser les deux loups. Je voudrais, je sais pas, bah faire les flèches tant qu'on y est. C'est 1h30 chaque flèche. On a aussi les bombes, enfin les bombes, les conserves. Pourquoi c'est pas... Ah oui, c'est pas... Voilà, ça... l'arc à 100% pour le moment, on va le poser là. Alors, livre. Là, ça c'est quoi? Ça c'est les flingues. Ça c'est combien d'heures du coup? C'est 5 heures. 4 heures, ok. 4 heures pour le fusil, ça marche. Là, c'est 25 heures. Là, tissu, on en a plein aussi. Bien le cuir, les plumes, on va les garder parce que je vais les utiliser. Ça, on dépose. Combien on a deux pointes de flèche? Ça, c'est cool d'avoir trouvé des pointes de flèche. Faire deux flèches de plus.
Là, on n'a pas vraiment besoin de poser la nourriture parce qu'elle est légère. Tiens, on a encore de la nourriture pour chien. Alors, les vêtements. Alors, les vêtements, je pense qu'on va les déposer aussi là-dedans. Donc, on a ça. Le pantalon de combat usé, en fait, le pantalon de combat, c'est vachement intéressant parce que ça nous permet de ne pas faire un deuxième pantalon en peau de serre. Donc, ça nous fait gagner en poids, comme j'avais expliqué il y a longtemps. Donc, cet objet est vachement intéressant. Faut le garder, en fait. Faut complètement le garder. À la limite, je pourrais mettre les deux, mais je crois qu'on avait vu que ça servait à rien. Oui, il y a quand même... Oui, oui, il y a plus de défense, l'humidité, le vent et tout ça. Nous, on le garde juste pour la chaleur. Vu que l'humidité et tout ça, ça compte plus après une fois que c'est en couche intérieure. Mais voilà, donc si jamais on déchire le nôtre, on en a un de rechange d'ici. C'est ça que... C'est ça dans l'esprit, en fait. Le but. Ça aussi, on va laisser. Ça, c'est quoi? Soit ta capuche. Je sais plus si c'est... Je crois pas. Quoique... L'étanchéité baisse pas. Mais est-ce qu'on aurait plus de... Parce que là il est à 60. Là je crois que du coup c'est 0,5. Je vais peut-être le réparer, ce tueur en coton avec une capuche à la pointe de la mode dans les studios de développement de jeux vidéo. Lol. C'est le principal, l'esthétique, mais étant fait de laine, il réchauffe un peu, même quand il est mouillé. Une couche extérieure conçue pour protéger du vent et de la pluie, elle n'apporte pour ainsi dire pas de chaleur, mais elle est utile si on la superpose à un vêtement correct. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si c'est mieux ça ou pas, je crois pas. Je sais pas. Si j'ai le temps, je le réparerai pour être sûr, mais je crois pas. Mais je le réparerai quand même, juste pour être sûr. Si on peut pas gagner quelques degrés par-ci par-là, ce serait pas mal. Même 0,5, honnêtement, c'est intéressant. Là, ça c'est bon. Là, c'est bon. On va déposer les médicaments. Il y a même ça aussi. On va en déposer. Ça aussi, ça pèse lourd, hein. Vous voyez qu'on a... J'en avais plus de 20 à un moment, on était à 1 kg plus, hein, quand même. Même ça, c'est lourd. Par contre, ça... On en a tellement, on peut en garder que 10. Parce que... Mais voilà. Mais ici, on peut laisser des choses ici. Parce qu'encore une fois... Pour vous montrer la carte. Encore une fois, on est là, nous. Donc, cet endroit est vraiment très facile d'accès, en fait. Faut juste faire ça. Pour avoir accès à cet endroit. Donc, c'est très simple. C'est très simple. C'est pour ça qu'ici, c'est un bon refuge. Bien cette caisse que c'est 30 kilos. Oh, on a plein d'allumettes. C'est ouf quoi. C'est ouf. Les aliments on avait dit que non. Enfin on peut mettre quelques tiges. Parce qu'on va en récupérer des tiges. Donc quand je repartirai. Je vais inverser les arcs, comme ça on repartira avec un arc à 100%. On prendra les conserves, parce qu'ici on peut pas faire de bombes. On doit aller... je sais plus où on doit aller. On reprendra les fûts de flèche, on reprendra sûrement les fusées, la fusée nautique. Issue peut-être... Là, on est sur la fin de l'épisode, je dis juste ce que je vais faire, parce que je vais faire une coupure, de toute façon. Nous, on est au canyon. Il y a Black Rock, on peut aller à Black Rock aussi la prochaine fois, mais Black Rock, c'est pas super intéressant, honnêtement. C'est chiant d'accès, c'est compliqué, c'est pas vraiment le fun. Je suis pas très très fan de Black Rock, j'ai vraiment pas aimé, en fait, mon séjour à Black Rock. C'est un peu comme, comme les... Ouais, non, Black Rock, j'ai vraiment pas aimé. Pour faire des bombes, c'est où pour faire des bombes?
Bah, à Blackrock, on peut. Tiens, en parlant de Blackrock, je crois qu'il y a un endroit pour la poudre et tout ça. Sinon, je crois que c'est la crique lugubre. Si je me rappelle bien. Autoroute vétuste. Non, ça c'est le... Ça c'est un chemin en fait pour connecter les deux parties. Là. Je crois que c'est la crique lugubre avec des loups gris. Blackrock, je crois qu'il y a aussi des loups gris. Pas très fan de Blackrock. Vraiment pas fan. On verra. On verra. En tout cas, on va s'arrêter là. Je crois pas que l'autre il m'a laissé un poisson. Mais tu peux te servir dans ma réserve, hein, il y a plein de trucs, hein. Wow. Il y a toute la forêt. Ouais, on va s'arrêter là. Regardez juste s'il y avait des choses autour, mais je crois qu'on a tout. Ash Canyon, enfin le canyon des cendres, je pense que c'est une très très bonne zone. Elle est fun à parcourir en fait. Si vous êtes bien équipé, elle est super fun à parcourir dans le sens où ça monte, ça descend et tout ça. Bon, après, évidemment, le coup des cordes c'est dangereux, mais je pense que c'est une des plus fun en fait des dernières régions en fait qu'ils ont rajoutées. Blackrock, c'est très... très bof, Blackrock. En plus, on peut avoir un gilet pare-balles, c'est pas intéressant. Vraiment pas intéressant. Je crois qu'il fait 10 kilos, le machin. Il fait 10 kilos pour genre... je crois que ça doit être 4... plus 30% ou 40% de protection, un truc comme ça. Enfin, honnêtement, on gagne pas grand-chose parce que on a des vêtements très, très, très... Je sais même pas si c'est autant. Je crois que c'est 30. Je crois que ça doit être 30. Peut-être que d'ici là, je ferai le deuxième manteau en peau d'ours. Ce serait pas mal. Ouais, ça nous aiderait. Ça nous aiderait bien. 52, c'est quoi, c'est 12? Ouais, encore 6 jours à tenir ici. Ça fait beaucoup quand même, 6 jours à tenir ici. Je sens que je vais me faire chier et je vais partir. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, ce sera la fin de notre épisode. Ben, on s'est très bien débrouillé. On s'est très bien débrouillé. Je vais être honnête, je vais aller regarder une carte pour me remémorer les endroits clés en fait d'ici. Parce que je me rappelle plus vraiment. Je me rappelle surtout de la mine, bien sûr, c'est la mine d'or, c'est le plus important. Je me rappelais vraiment bien comment y aller. Et après, le petit village qui est là. Je crois qu'on a d'autres petits endroits. Après, il y a la maison là qui est super bien aussi, qui est la cabane avec ça. La sortie, elle est par là, nous. Donc, on est très bien. Mais je vais essayer de me rappeler et de voir s'il y a d'autres endroits à visiter. Mais honnêtement, en faisant notre chemin comme ce que j'ai fait là, les 2-3 derniers épisodes, vous avez plus ou moins fait le tour des plus gros spots du canyon des cendres. Donc c'est le plus simple à faire, faites comme moi, vous allez pas regretter. Après vous pouvez vous faire chier avec les cornes et tout ça, parce que moi j'ai remonté, descendu, tout ça. Mais honnêtement c'est le plus simple, c'est le plus simple. C'est directement partir sur la gauche, après vous revenez, vous campez ici, puis après vous pouvez repartir quand vous voulez. Mais ouais, moi je vais rester un peu là, je vais farmer, récupérer de la nourriture, récupérer du bois et tout ça, faire les flèches qu'on a supplémentaires et tout. Et on va possiblement laisser des choses ici aussi, parce que honnêtement, ouais, si je prends tout, on va être à genre, je sais pas combien de kilos.
va être à 60 kg ou un truc comme ça, donc on va peut-être pas tout prendre. Mais ouais, on verra ça la prochaine fois. Je ferai une petite coupure et je farmerai. Voilà, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.